quand j'arrive dans l'hémicycle, je découvre que dès qu'on touche à l'alcool, et au vin en particulier, mais dans le cadre, c'est quand je dis qu'on touche, c'est pour faire de la prévention en santé publique, les élus montent au créneau d'une manière honteuse, enfin d'une manière tellement massive que c'en est scandaleux. C'est-à-dire qu'on voyait des députés qui ne travaillaient jamais le jeudi, qui n'étaient pas là à Paris, qui bizarrement se mobilisaient, faisaient l'aller-retour pour être là au moment de l'article de loi, au moment des amendements qui concernaient ça. Chaque débat autour de l'alcool déclenche des joutes verbales dont l'ancienne députée se rappelle encore. J'ai entendu que la bière, c'était un don de Dieu. Benjamin Franklin affirmait « La bière est la preuve vivante que Dieu nous aime et veut que nous soyons heureux. » C'est-à-dire qu'il tombe dans un délire argumentaire qui, quand on est scientifique, professionnel de santé, ben, c'est accablant, quoi. C'est accablant de se dire qu'on a des représentants de la nation qui racontent n'importe quoi.